السادس من أركان الإيمان. Le sixième pilier de la foi. الإيمان بالقضاء والقدر. Le fait de croire au destin, bon ou mauvais. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ Comment croire au destin? نؤمن بمراتب أربعة. On doit croire en quatre étapes. الأول العلم. Première étape, la science. نؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. On doit croire au fait qu'Allah connaît absolument tout. الثاني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Deuxième étape du destin, on doit croire au fait que Allah a ordonné à la plume d'écrire la destinée de toute chose. نعم. الثالث تقول أنت الآن. يقول هذا أنا بعد الدرس هذا بإذن الله سأذهب إلى المسجد النبوي. شاء الله سبحانه وتعالى يذهب ذهب. شاء الله أنه لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب. Troisième étape de la foi au destin, c'est la volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut une chose, eh bien cette chose sera. Mais si Allah ne veut pas une chose, elle ne sera jamais. Quatrième étape. أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد. Donc quatrième étape, le serviteur est créé ainsi que ses actes sont créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le serviteur et il a créé ses actes aussi. Qu'est-ce que je fais? Je dois croire en ces quatre étapes. Je dois être optimiste, je dois avoir des bonnes pensées concernant Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la conviction qui m'a destiné le bien. Ad'u wa a'mal. Je dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et je dois faire des actions. Et je dois pas faire des actes des gens malheureux. Je dois rechercher la science, mettre en pratique et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.